Sur le carnet sanitaire, je saisis le numéro de la vache, le ou les quartiers touchés, la sévérité de la mamite, la date et l'heure du début de traitement, le nom du produit utilisé et ainsi que le numéro d'ordonnance, la date de fin du traitement ainsi que la fin de rémanence pour remettre le lait dans le marché.